D'abord, tu as dit 2 jours. Tu as déjà fait tes 2 jours. Maintenant, tu peux rentrer. Parce que je suis fatiguée. Sors. Soso. J'ai dû sortir là. Tu ne peux plus rester ici avec moi. Tu ne peux plus rester ici avec moi. Soso, laisse-moi juste demain matin, je rentre. Non, là, j'ai dit. Mes parents vont venir aujourd'hui. Tu ne peux pas rester avec moi. Je t'ai déjà tout fait. Tu es resté ici pendant 2 mois. Tu n'es même pas allé. Tu peux fous m'aider. Moi, j'en ai fini. Il faut m'aider. J'en ai fini. Je fous m'aider. Abus, oh. Abus. Mais. Tu fais quoi là? C'est qui celle-là? C'est mon ex. C'est quoi? Tu fais quoi dans le quartier? Je suis dans la zone. Tu es dans la zone? Oui. Oh, sinon, moi, j'ai quitté la France hier. Je suis venu le voir pour prendre mon argent. Ah bon? Mais actuellement, il n'a pas l'argent. Il est en train de me supplier là. C'est un jeune. C'est quoi? Tu es dans la zone, tu as dit? Oui. Dis-moi, j'ai un petit souci avec ma carte là. Est-ce que c'est possible que je reste sur toi pendant 2 jours? C'est un peu difficile. Hein. C'est quoi? Tu as déjà un mec? Oui, j'ai déjà un mec. Et il vit avec toi? Non, il ne vit pas avec moi. Donc, tu vis seul? Je vis seul. Est-ce que c'est possible que je reste chez toi pendant 2 jours? Juste le temps que je répare ma carte? Juste 2 jours. Oui, 2 jours. Je n'aurai pas de problème, j'ai déjà un mec. C'est ça. Deux jours, je vais rentrer. Tu vois, le temps que je répare ma carte et puis je trouve une chambre. Bon, d'accord. C'est possible? C'est possible. Waouh. Comment tu as une moto alors? C'est bien, tu peux monter? Bien sûr. Waouh! C'est quoi? Ton gars travaille à la banque? Non, pas du tout. Waouh! Comme chez toi, assois-toi. Tu as quelque chose à boire? Ah. C'est super. Merci. Abus. Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Les boissons que j'ai mis dans le frigo sont passées par où? Et pourquoi la cuisine est en désordre comme ça? D'abord, tu as dit 2 jours. Tu as déjà fait tes 2 jours. Maintenant, tu peux rentrer. Parce que je suis fatiguée. Ah, mais comment? Attends, laisse-moi finir de réparer ma carte. Ma carte est toujours bloquée. Tu as peur de quoi? J'ai préparé hier, raison pour laquelle la cuisine est comme ça. Et la boisson, j'ai bu. Oh là là, putain. Tu sais, laisse-moi. Je dois rencontrer mon banquier aujourd'hui, quoi. Laisse-moi finir de réparer la carte. Demain, je vais rentrer demain. D'accord? Mais viens t'asseoir. Viens. Tu sais, je t'ai laissé, mais je ne t'ai pas laissé. C'est que tu es toujours à moi. Comment? Je compte toujours sur toi. Raison pour laquelle je suis toujours célibataire. Je veux que tu reviennes à moi. Laisse ton gars là. Tu vois, je peux faire comme ton grand frère. On est là, on gère tout. Derrière lui. Bébé. Attends, ça ne va pas chez toi. Moi, je ne suis plus dans ça avec toi. Je voulais juste te dépanner. Pour que tu repères ta carte. Donc maintenant, tu peux rentrer chez toi. Je suis fatiguée. Je ne peux pas tromper mon mec. Il me fait tout, donc je ne peux pas le tromper. Donc je ne suis pas dans ça avec toi, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça? Regarde, j'ai changé. Regarde, quand j'ai quitté le Bénin, j'ai changé. J'ai le comportement des Français maintenant. Regarde, ça là, c'est rien. En France, ça là, c'est rien. Oh, j'ai ça. Regarde, moi, je peux te faire voyager même. Ton gars, il est qui? Ça là, c'est quoi? Moi, je peux te faire plus que ça même. Il suffit juste de me dire que je suis ton grand frère. Je suis ton cousin. D'accord? On va gérer. Entre toi et moi, j'ai changé. J'ai changé, bébé, j'ai changé. Bébé, je m'en vais. Tu t'en vas, déjà. Là, ce soir, l'eau. Non, là, ce soir. Fais comme chez toi, n'est plus toi. Hein. Bienvenue chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est tellement joli, c'est confortable. Fais comme chez toi. Prends place. D'accord. Dis-moi, tu as envie de prendre quoi? Tu suis. C'est bon? D'accord. Merci.
dis-moi, tu as vu que tes parents sont riches. Ah ouais, mon père travaille à un ministère, ma mère c'est une comme commerçante. Waouh. Déjà. Oui. Je comprends pas, madame. Je suis chez mon mec. Tu es chez ton mec? Ouais. Ton mec? A vu ça? A vu? Oui. Oh putain. Chérie, voici ma cousine. Ma cousine, voici ma chérie. Tu m'as pas dit que tu allais rentrer tôt. C'est quoi, chérie, tu es fâchée? Je ne touche pas. S'il te plaît, tu m'excuses. C'est quoi, tu es fâchée? Parce que je ne t'avais pas averti avant d'avoir ma cousine ici. J'étais là tranquille. Elle m'a appelé et je t'ai obligé de venir ici. Pardonne-moi, bébé, pardonne-moi. Ne me touche pas. Mais c'est quoi? Bébé, mais c'est quoi? Ça, c'est rien, non? Après tout, c'est ma cousine. Et elle peut venir chez moi quand? Mais faut l'oublier. Faut oublier ça, c'est passé. Ce qui vient de se passer. Donc moi j'étais pris chez moi, c'est ce que tu me fais. Ça c'est rien, non? Ma cousine est venue chez moi, ça c'est rien. La cousine, au lieu de m'avertir, tu ne m'as rien dit, tu amènes des filles chez moi. Ok, faut me pardonner alors, c'est fini, il n'y aura plus ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Tu vas partir. Aïe! Tu dois rentrer. Comment je dois rentrer? Non, c'est bon. Attends, tu as fini de m'aider comme ça? C'est bon. Bébé, mais. Allô? Tu es à la maison, je peux venir passer 2 jours chez toi. Juste 2 jours. Allô, Aurel. Est-ce que je peux venir passer 2 jours chez toi? Ok. Une journée et demie. Allô, Roland.